Ce soir, on est au Café Maritime. On est à la soirée organisée par l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes pour l'événement phare de l'année à destination des jeunes pour promouvoir la profession. Cet événement, ça s'appelle la nuit qui compte. L'objectif, c'est d'organiser des rendez-vous, des speed dating entre des professionnels et des étudiants. Nous avons invité plus de 350 étudiants qui viennent poser des questions aux professionnels, même pour savoir quel est le quotidien de notre activité. On renouvelle cette manifestation tous les ans, car on a besoin de faire la promotion de l'image de notre profession. Et c'est un espace d'échange qui est hyper privilégié pour nous, puisque ça nous donne l'occasion d'avoir un contact avec les jeunes et d'avoir un discours décontracté et un langage fluide. On a un métier qui n'est pas toujours bien connu des tiers et pas toujours bien connu des étudiants aussi. Et c'est vraiment un espace pour pouvoir dire les choses, présenter notre métier facilement et avoir le langage de la vérité. Pour nous, professionnels, on est toute l'année, je dirais, dans nos dossiers, c'est un moment privilégié où on peut rencontrer un peu les jeunes. C'est important de se rencontrer pour démystifier un petit peu l'expert comptable. Donc, je dirais qu'un bon expert comptable, il faut qu'il soit technique, mais aussi commercial, qu'il sache communiquer, qu'il sache parler à ses clients, un véritable lien entre le client et le professionnel. Ils sont intéressés, c'est un petit peu la journée, la soirée, on va dire, je passe de la théorie à la pratique. On fait le pont entre l'école et ce qui se passe réellement dans les cabinets sur le terrain. Quand on aime la relation client, quand on aime accompagner les clients dans leur activité, c'est un métier qui est fait pour nous. La Banque Populaire donc accompagne les experts comptables depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous accompagnons aussi donc les étudiants dans leurs études. Il était naturel que la Banque Populaire soit présente ce soir avec l'Ordre des experts comptables et les étudiants. Nous avons depuis plus de 50 ans accompagné les experts comptables tout au long de leur carrière. Le jeune, il a un premier souci, c'est de savoir comment il va faire pour déjà financer ses études. Mais après, s'il veut s'installer en tant qu'expert comptable, comment il va faire pour le financer? Donc, il faut qu'on arrive tout de suite à dire qu'on est capable de financer du départ jusqu'à l'installation. L'association annexe, Association nationale des experts comptables stagiaires, vise à aider les futurs professionnels à intégrer la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Donc on accompagne tous les étudiants d'Aquitaine à passer leur diplôme et créer un réseau pour échanger et un peu partager nos expériences. L'objectif étant de créer une ambiance hyper conviviale, hyper détendue, de manière à ce que les jeunes puissent poser leurs questions à des professionnels en toute liberté, découvrir notre profession pour à terme avoir envie de l'intégrer. Ça s'est très bien passé, j'ai pu poser mes questions et on m'a répondu clairement. Et moi je trouve ça intéressant puisqu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas vraiment où aller et je pense que ça peut être bien d'avoir l'avis de plusieurs professionnels. Très bonne soirée. Je trouve que c'est super parce qu'on est dans une atmosphère un peu détendue, il y a de la musique, on rencontre les professionnels et c'est un super concept. Avoir un avis d'un professionnel c'est toujours une bonne chose, mais quand on est à l'école avec des professeurs vraiment, c'est vrai que ça manque de ce côté pratique, ce qui se passe réellement en entreprise. Et pour ceux qui n'ont pas ça, c'est toujours une bonne chose de venir voir des professionnels et de leur demander comment ça se passe réellement en dehors de la théorie qu'on peut voir à l'école. La soirée est très bien organisée, c'est très sympa, c'est une super idée, que du positif. Voilà.